comment je peux retourner encore? Jamais. Oh Jésus. Dans cette blessure, elle avait toutes mes idées. Aujourd'hui, oh Seigneur, je suis dans la joie. You know my rising up.
Yeah.
Seigneur béni, c'était la louange du Seigneur. Alléluia. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous t'élevons. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être acclamé, tu es digne d'être exalté. Seigneur, nous venons devant toi pour cette étude biblique en cette heure, ô Père. Nous prions au nom de Jésus, Seigneur, que tu puisses éternellement nous parler, que tu nous enseignes, que tu nous remplisses de ta connaissance, la connaissance de ta parole au nom de Jésus. Papa, que ta parole, Seigneur, s'enrichisse notre âme, notre vie, notre esprit, tout notre être entier, et que cette parole puisse nous éliminer, nous montrer, éternel, le chemin à suivre. Tout ce qui est en nous, Seigneur, qui ne te rend pas gloire, que cette parole éternelle puisse nous nettoyer davantage au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Mes bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est l'étude biblique. Nous allons commencer dans le livre de Matthieu. Donc, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 1. Amen. Verset 1 jusqu'à la fin. Évangile selon Matthieu, généalogie de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra Tamar et Phares et Zara, Phares engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam,
Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ékézias, Ékézias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconia et ses frères et au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salathiel, Salathiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Zadok, Zadok engendra Hashim, Hashim engendra Eliot, Eliot engendra Eleazar, Eleazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, jusqu'à génération depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Et amen. Nous allons continuer. Et voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Mère Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit afin qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Seigneur, fils de David, ne crains pas, non, Joseph, pardon, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu, vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et toi, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Amen. On donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Donc voilà le chapitre 1 que nous allons étudier aujourd'hui, mes bien-aimés. Puisque nous avons déjà fait ça en anglais, nous allons juste interpréter pour que nous soyons à la même page avec nos bien-aimés en anglais. Donc voici la vidéo, je vais interpréter. Et pour ceux qui nous regardent en direct, pour ceux qui sont dans YouTube en train de nous regarder, et pour ceux qui sont dans GoToMeeting, que le Seigneur vous enseigne, allons-y pas à pas, mes bien-aimés, parce que j'aimerais qu'on soit à la même position avec nos bien-aimés anglophones. Alléluia, donc on va continuer. Every sister here. So we are, this is the book of Matthew chapter 1. Voici le livre de Matthieu depuis le chapitre 1. And thank God that we have already started memorizing the verses in Matthew chapter 1, chapter 2, and chapter 3. We are not only here to memorize, but we are here to study as well. Nous sommes ici là pour étudier la parole de Dieu. Praise the Lord. So, the book of Matthew. Le livre de Matthieu. Who wrote the book of Matthew? Qui a écrit le livre de Matthieu? The person who wrote the book of Matthew was a disciple of Jesus. La personne qui a écrit le livre de Matthieu était un disciple de Jésus-Christ. Man, a Jewish. C'est un juif. Called Matthew. Appelé Matthieu. A Jewish disciple named Matthew. C'était un juif, un disciple appelé Matthieu. He was inspired by the Holy Spirit. Il a été inspiré par le Saint-Esprit. Amen. He was inspired by the Holy Spirit to write a book. Il était inspiré par le Saint-Esprit pour écrire le livre de Matthieu. Called the book of Matthew. Le livre appelé le livre de Matthieu. Amen. Amen. And we saw, when you are reading it, Matthew is not talking about himself here. Quand vous lisez ici, Matthieu ne parle pas de lui seul ici. He's not writing a book to talk about himself. Il n'a pas écrit un livre pour parler de lui-même. Amen. Like today, many people are writing books. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens ils écrivent des livres. No. I want to talk about me. Je veux parler de moi. Je veux parler de moi. Me. But Matthew took time to write this book. Matthew a pris du temps pour écrire ce Amen. Livre. To tell you, to tell us. Pour nous dire. About Jesus.
pour nous parler de Jésus-Christ. He wanted you to know about Jesus. Il voulait que tu connaisses Jésus. He wanted us to know about Jesus. Il veut que nous connaissions qui est Jésus. Matthew. The disciple of Jesus. Le disciple de Jésus-Christ. Amen. Amen. It is the Holy Spirit who used Matthew. C'est le Saint-Esprit qui a utilisé Matthieu. The Holy Spirit, the Holy Ghost. Le Saint-Esprit. He's the one that using Matthieu. C'est lui qui a utilisé Matthieu. To write the book of Matthew. Pour écrire le livre de Matthieu. That is why. Voilà pourquoi. As a child of God. En tant qu'enfant de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. To do whatever you want to do for God. Pour faire quoi que ce soit, tu veux soit que tu quoi que ce soit que tu veux faire pour le Seigneur. Without the Holy Spirit. Sans le Saint-Esprit. There is no communication. Il n'y a pas de communication. When God is giving me a message. Par exemple, si Dieu te donne un message. Sometimes like this, I will stay and say, God, I will pray, Father, what message do you want me to tell your children? Bon, par exemple, si je veux donner un message, je dois prier, je vais dire, Seigneur, quel est le message que tu veux que je donne à tes enfants? I will just take a pen. Je vais prendre le bic. No, take a begin to write. Je vais commencer à écrire. Begin to write. Je vais commencer à écrire. Yes. C'est ça. The Holy Spirit will teach you. Le Saint-Esprit va t'enseigner. Things. Les choses. He will tell you the secret things of God. Il va te donner les secrets de Dieu. To write them down. Tu vas commencer à les écrire. So it is the Holy Spirit who used Matthew. Donc c'est le Saint-Esprit qui a utilisé Matthieu. Amen. Amen. And I said you need the Holy Spirit to do whatever you want to do for God. Donc tu as besoin du Saint-Esprit pour faire quoi que ce soit que tu veux faire pour Dieu. So the Holy Spirit used Matthew a lot. Le Saint-Esprit a beaucoup utilisé Matthieu. Amen. And the book of Matthew is gradually introducing the new Testament to us. Dans le livre de Matthieu nous introduit pas à pas le Nouveau Testament. In the book of Matthew. Le livre de Matthieu. Amen. You just finished to read the whole book of the whole Testament and now you are going to the new covenant. Tu viens de finir l'Ancien Testament, maintenant tu entres dans la Nouvelle Alliance. The New Testament. Le Nouveau Testament. So, Matthew is introducing. The book of Matthew is like a bridge. Donc, le livre de Matthieu, c'est comme un pont. Between entre Old Testament l'Ancien Testament, and the New Testament et le Nouveau Testament. Amen. Amen. Yes. It's like a bridge that leads us out of the Old Testament. And into the New Testament. C'est comme un pont qui nous fait sortir de l'Ancien Testament pour entrer dans le Nouveau Testament. Amen. So the Old Testament. L'Ancien Testament. L'Ancien Testament. If you read the Old Testament, if you want to know God, read the Old Testament. Si tu veux connaître Dieu, il faut lire tout l'Ancien Testament. You will know God deeper. Tu connaîtras Dieu plus profondément. You know God deeper. Tu connaîtras Dieu plus profondément. And if you want to know God, donc si tu veux connaître Dieu, don't read the Old Testament and forget the New Testament. Ne lis pas seulement l'Ancien Testament, tu oublies le Nouveau Testament. Because if you read only one of them, parce que si tu lis seulement un seul, you will not understand the full will of God. Tu ne comprendras pas la volonté complète de Dieu. Amen. So the Old Testament. The L'Ancien Testament, the generation of Adam. C'est le livre de la génération d'Adam. The generation of Adam. Le livre de la génération d'Adam. It talk about the fall of man. Qui parle de la tombée de l'homme. The Old Testament. L'Ancien Testament. If you read in Genesis chapter 5, donc si vous lisez dans Genèse chapitre 5, a lot of things about Adam. On parle beaucoup de choses à partir de Adam. Amen. So the Old Testament is the generation of Adam and the New Testament is the generation of Jesus Christ. Donc l'Ancien Testament c'est la génération d'Adam et le Nouveau Testament c'est la génération de Jésus. Christ. So Matthew was privileged. Donc Matthieu a eu le privilège introducing to you the book the New Testament. Pour t'introduire le Nouveau Testament. Amen. And the way he is introducing the New Testament, the way he is introducing Jesus Christ with you, is starting, you know,
La façon qu'il introduit Jésus-Christ, nous introduit Jésus-Christ. Il commence par la fondation, the foundation, la racine, from the beginning, depuis le début. Il ne saute pas. If you want to understand the New Testament, si tu veux comprendre le Nouveau Testament, start from Matthew. Il faut commencer par le livre de Matthieu. Because if you leave Malachi, si tu laisses Malachi, Malachi, you go to John. Si tu vas, tu laisses Malachi, tu pars, tu sautes, tu pars dans Jean. You will miss a lot of things. Tu vas rater beaucoup de choses. You get lost. Tu seras perdu. This is why. Bah pourquoi? Après avoir fini l'Ancien Testament, you need to go to Matthew. Tu dois aller dans Matthieu. Why Matthew took time to write this book? Il faut pour comprendre pourquoi Matthieu a pris du temps pour écrire ce livre. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. The Holy Spirit of God. Why the Holy Spirit of God inspired Matthew to write this book? Tu comprendras pourquoi le Saint-Esprit a inspiré Matthieu à écrire ce livre. Amen. Amen. So, in the Old Testament. Dans l'Ancien Testament. In the Old Testament. Dans l'Ancien Testament. He created man in his own image. Dieu a créé l'homme à son image. Amen. Amen. But mais something happened. Quelque chose s'est passé. If you read Genesis, the book of Genesis, you understand. Si tu lis tout le livre de Genèse, tu comprendras. That God has created man in his after his own image. Après que Dieu ait créé l'homme après à son image. After his likeness. À sa ressemblance. Then something happened along the way. Quelque chose s'est passé en chemin. Man sinned against God. L'homme a péché contre Dieu. Divine, that sin came to defile the image of God. Et ce péché-là est venu souiller l'image de Dieu. He wasn't the perfect God anymore. Ce n'était plus la volonté parfaite de Dieu. You know, that sin in the life of Adam destroyed the image of God. Ce péché dans la vie de Adam a détruit l'image de Dieu en Adam. Defile the image of God. Ça a souillé l'image de Dieu. Dans l'Ancien Testament, is the generation of Adam. C'est la génération d'Adam. In the Old Testament, dans l'Ancien Testament, you can see how man was defiled. Tu peux voir comment l'homme a été souillé. By sin. Pas à cause du péché. And because of sin, à cause du péché, man brought forth children. After his likeness. À cause du péché, l'homme a commencé maintenant à coucher les enfants qui ne ressemblaient à coucher une génération qui le ressemblait. Not after the likeness of God. Pas une génération qui ressemblait Dieu. Because the man that came out of Adam, all of them. Parce que l'homme qui est sorti d'Adam. You don't see the image of God in them. Quand tu les regardes, tu ne vois pas l'image de Dieu en eux. You don't see the image of God in them. So, tu ne vois pas l'image de Dieu en eux. Man, dans l'homme, for children in his own image. Dans l'homme a amené les enfants à son propre image, in his own likeness, à sa propre ressemblance. After his image, amen. Genesis chapter 5 verse 3. Nous allons ouvrir dans Genèse. Chapitre 5, verset 3. Quelqu'un peut lire pour nous dans Go to Meeting. Le livre de Genèse. Ouvrons le livre de Genèse, mes bien-aimés. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour lire pour nous? Amen. Alléluia. Quelqu'un peut lire pour nous? Amen. 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 Oui. Somebody can read for us. We are together. Praise the Lord. Amen. Genesis chapter 5, verse 23. Genèse chapitre 5, verset 23. Quelqu'un peut lire? Je le lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Genèse chapitre 5, verset 23. Oui. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Attendez, mes bien-aimés. And
Yeah. And he got sent in the same lightning. And after he finished, he got his name. You see, something is not like... Le chapitre 5, verset 23, qui parle que... Mais nous n'avons pas exactement ça ici. Que Noé a engendré en anglais. Mais bien aimé, nous allons lire en anglais. Excusez-moi. Seul... C'est quel chapitre? Chapitre 5. Excusez-moi. Chapitre 5, verset 23. Verset 28. 28, 23. Ah, d'accord. That man. Non, on n'a pas ça. The image of God in them. You don't see the image of God in them. So, man brought four children in his own image. L'homme a accouché, a fait les enfants selon sa propre ressemblance. Genesis chapter 5, verse 3. Et c'est verset 3, excusez-moi, mais bien, je lis le verset 3. Oui. Oui. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vas-y, sœur. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Amen. Amen. Le verset 3 ici dit Adam, âgé de 100 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Selon son image. Est-ce que vous avez le verset 3? Oui. Lisez encore, ma soeur, parce que je n'ai pas bien suivi. D'accord. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Donc, vous voyez ici là que Adam a accouché et engendré un fils, non selon l'image de Dieu, non à la ressemblance de Dieu, mais plutôt à sa propre ressemblance. Amen. Nous nous excusons pour cette petite concision. Nous continuons, mes bien-aimés. Donc, Amen. Genesis chapter 5, verse 10 says, and Adam lived 130 years. Adam a vécu. Yeah. And he got Adam in his own likeness. Amen. And after he You see, something is not right here. Vous voyez, quelque chose ne va pas ici. God created man after his image. Dieu a créé l'homme à son image. And now, because of the sin of Adam. Mais maintenant, à cause du péché de Adam. Because of that defilement. À cause de cette souillure là. There is no more image of God. Il n'y a plus d'image de Dieu. The image of God has been defiled. L'image de Dieu a été souillée. That man has been defiled. Cet homme qui a été créé à l'image de Dieu a été souillé. The nature of God has been defiled. La nature de Dieu en lui a été souillée. Therefore, they are Adamic. Donc, voilà pourquoi on dit que la nature adamique. 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 Nature. La nature adamique. Anybody that is born as man. Toute personne qui est née comme un homme ici sur la terre. Has that Adamic nature. A cette nature adamique. That nature of sin. Cette nature de péché. Normally, the generation of Adam supposed to follow the standard of God. Normalement, la génération de Adam devait suivre le standard de Dieu. That was the plan of God. C'était le plan de Dieu. Depuis le commencement. Yes. Oui. But since Adam, mais depuis que against God, Adam a péché contre Dieu, even his children, même ses enfants, prove themselves to be, même ses enfants ont prouvé qu'ils sont pécheurs. Yes. They sin against God. Ils ont péché contre Dieu. The Bible explains it. La Bible nous explique. It's somewhere here. It said, you understand? Adam, in his nature,
Adam dans sa nature. You know, the sin entered Adam. Le péché est entré à Adam. And that sin defiled even the generation. Ce péché a souillé même toute une génération. Let's mute our mic. Fermons nos micros. That nature became a guilty nature. Cette nature est devenue une nature pécheresse. Corrupt nature. Corrompue. Even the children. Même les enfants. The children of his children. Même les enfants de ses enfants. And so and so and so and so and so. Ainsi de suite, ainsi de suite. And so. So every newborn baby. Donc tout enfant nouveau-né. When you come on earth here, quand tu es né ici sur cette terre, you have that Adamic nature. Automatiquement, tu as cette nature adamique. Yes. Imagine a baby of 6 months. Imagine un bébé de 6 mois. You that have your baby. Toi qui as ton bébé. Give him a kiss. Donne-lui un trousseau de clés. When he begin to enjoy the car key. Quand l'enfant est en train de jouer avec le trousseau de clés. Then you want to take it out of his hand. Et toi, tu veux prendre le trousseau de clés là. Two of you will begin to fight. Vous deux là, vous allez lutter. You will begin to fight with that baby. If that baby can push your face like this. Tu vas commencer à lutter avec ce bébé. Si le bébé là peut te pousser la tête, le visage comme ça. For him to win you. Pour pouvoir remporter la victoire. He will hold that key. Il va arrêter le trousseau là. He will hold the key. Il va serrer le trousseau. Like il va faire comme ça. Il va pleurer. Adamic. La nature adamique. Who taught the baby how to fight? Qui a appris le bébé à lutter? Who taught the baby how to defend himself like that? Qui a appris le bébé à se défendre de la sorte? What kind of attitude is that image of God? C'est l'image de Dieu ça? Oh. Non. You know, vous savez, the Bible says that all have sinned and come short to the glory of God. All. La parole de Dieu dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Oh, even that baby. Même le bébé là. Oh. Tous. As far you are born. Tant que tu es né. You have that Adamic nature. Automatiquement, tu as cette nature adamique. Because of that sin. À cause de ce péché. Destroy the image of God. Ce péché a détruit et a souillé l'image de Dieu. Amen. Amen. The Bible says that all have sinned and come short to the glory of God. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. It means that. Ça veut dire? If when somebody say you are come, when the Bible says that you come short unto the glory of God, it means that you are spiritually dead. Ça veut dire que quand la Bible dit que tu es privé de la gloire de Dieu, ça veut dire que spirituellement tu es mort. You are separate from God. Tu es séparé de Dieu. The glory of God is no more in you. La gloire de Dieu n'est plus en toi. You are dead. Tu es mort. Because of that nature of sin. À cause de cette nature de péché. Many people here on earth are already dead. Before God, they are dead. Il y a beaucoup de gens ici sur la terre qui sont déjà morts devant Dieu. Ils sont déjà morts. Ils sont déjà morts. Ils sont des êtres vivants mais déjà morts. Pourquoi? À cause de cette nature adamique qui est encore sur eux. Nobody, no one. Personne, aucune personne ne peut partir à Dieu, ne peut s'approcher de Dieu avec cette nature adamique. Personne. That is why you need to read the New Testament. Voilà pourquoi tu dois lire le Nouveau Testament. For you to understand the word of God. Pour que tu comprennes la parole de Dieu. For you to know the will of God. Pour toi, pour que tu comprennes la volonté de Dieu. For you to know how to please God. Pour toi, pour que tu connaisses comment faire plaire au Seigneur. You just finished the whole testament. Tu viens de finir l'Ancien Testament. Tu as fini l'Ancien Testament. En conclusion, tu as compris que le cœur de l'homme est tellement méchant. See what the children of Israel did. Regardez ce que les enfants d'Israël ont fait. Ah!
God did to them. Après tout ce que Dieu leur a fait. They still disobey God. Ils ont toujours désobéi Dieu. They still do, you know, go deeper and deeper and deeper. Ils ont toujours, ils vont profondément dans le péché, s'enfoncent profondément, profondément dans le péché. Adamic nature. Oh, la nature adamique. It's a nature that you need a supernatural power. C'est une nature que tu as besoin d'une puissance supernaturelle. To take away that nature. Pour enlever cette nature. La nature adamique. Even if you have the law before you, même si tu as la loi devant toi, the book of law, tu as le livre de la loi, they taught you since you were born, on t'a appris depuis que tu es né, this is how you must live. Voici comment tu dois vivre. But mais if the power of God has not destroyed that Adamic nature, si la puissance de Dieu n'a pas détruit cette nature adamique, my sister, my brother, mon frère, ma soeur, you are dead. Tu es mort. Why? Pourquoi? Because even with the law, parce que même avec la loi, they could not please God. Ils ne pouvaient pas plaire au Seigneur. Yes. Oui. That nature. La nature adamique. If you still have that Adamic nature, si vous avez toujours cette nature adamique, you can't be reconciled with God. There's no way you can talk to God. God understand you. Tu peux pas te réconcilier avec Dieu. Il n'y a aucun moyen que tu peux parler à Dieu et puis te comprendre. Forget. Oublie. Some people say, oh, that man was a good man. On dit, oh, le type là, il était un bon type. That man was a gentleman. Oh, il était un homme gentil. You know, he built a 40,000 orphanage. Il a construit 40 orphelinats. If you build 30 million orphanage, si tu as construit 30 millions d'orphelinats, you help all the widow. Tu as aidé toutes les veuves. All over the world. Partout dans le monde. You have that Adamic nature. Tant que tu as encore cette nature adamique en toi, it's like you are zero. Zero times zero, zero, zero. C'est comme tu es 0 fois 0, 0, 0, 0. Your orphanage, your charity, toi avec tes charités, ton orphelinage, tout, aider les veuves, zero, zero, zero. C'est 0, 0, 0, 0. Et la personne qui a donné sa vie à Jésus, he just give one coin to somebody outside. Il a seulement donné un cent à quelqu'un dehors, vraiment une pièce à quelqu'un dehors. Il est mieux que toi. He's better than you. Il est mieux que toi. My sister, if riches can make somebody go to heaven, mais bien aimé, si la richesse peut faire quelqu'un aller au ciel, c'est que tous ces riches-là sont au ciel. Many people will be in heaven today. Beaucoup de gens seront au ciel aujourd'hui. Ah, the celebrity, they will go to heaven. C'est que tous les célébrités là, ils vont aller au ciel. If somebody can buy heaven, si quelqu'un peut acheter le ciel, no celebrity, they will buy it. Tous les célébrités là, ils vont acheter le ciel là. Because they have what they call money. Parce qu'ils ont ce qu'on appelle de l'argent. Cash. Le cash. Hey, c'est ça. But cash cannot buy. Mais le cash ne peut pas acheter. Cash cannot buy. Ça ne peut pas acheter. Cash cannot bribe God. Ça ne peut pas corrompre Dieu. Your money cannot bribe God. Ton argent ne peut pas tromper Dieu. Your activity cannot bribe God. Tes activités ne peuvent pas tromper Dieu. It is your holiness, your obedience. C'est en ton obéissance, la sainteté en toi, that can reconcile you with God. Ce qui te réconcilie avec Dieu. L'adamique nature doit partir. The Adamic nature was go. L'adamique nature doit partir. It is very important for all of us, children of God. Voilà pourquoi c'est très important pour tous, nous tous, les enfants de Dieu. Amen. Amen. Like Matthew. Matthew. Faisons comme Matthieu. Begin to teach people. Matthieu a commencé à enseigner les autres. Everything God told him to write down. He was writing that because he, tout ce que Dieu lui a appris à écrire, à dire, il écrivait tout cela. He was a witness. He saw it. Il était un témoin, il a vu ça. He saw it. Il a vu. He want people to understand the need of salvation. Il veut que les gens comprennent le besoin du salut. That is why you must do it. Voilà ce que toi aussi tu dois faire. Let people understand. Que les gens comprennent. That Adamic nature. Que cette nature adamique, once
You know, as long as they have it, tant qu'ils ont cette nature-là, they cannot see God. Ils ne peuvent pas voir Dieu. They must receive Jesus. Ils doivent recevoir Jésus-Christ. Allow Jesus to destroy that Adamic nature. Permettre que Jésus puisse détruire cette nature adamique. Il faut faire comme Matthieu. Matthieu was he wrote it down. Why? Because the Jewish people. Il a écrit le livre de Matthieu. Pourquoi? Parce que les Juifs. The Jewish people were expecting a Messiah. Les Juifs, ils attendaient un Messie. But they did not know who is the Messiah. Mais ils ne connaissaient pas qui est le Messie. So, Matthieu. The Holy Spirit inspired him to write this book. Donc, Matthieu, le Saint-Esprit l'a inspiré à écrire ce livre. So that he could explain. Afin qu'il explique. The Jewish. Les Juifs. You and me. Toi et moi. What Jesus. Ce que Jésus. Who is Jesus? Qui est Jésus? Amen. Who is Jesus in the life of someone? Qui est Jésus dans la vie de quelqu'un? Alléluia. Jesus, Jésus, the key of heaven. Jésus détient la clé du ciel. Jesus, the way to God. Le chemin vers Dieu. The only way. Le seul chemin. The only way to heaven. Le seul chemin vers le ciel. Yes. Oui. As long as you are human being. Tant que tu es un homme de un être humain. You must look for a way to reconcile yourself. Tu dois chercher un moyen pour te réconcilier avec Dieu. And that only way is Jesus. Et le seul chemin là, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ouvrons dans le livre de Jean chapitre 14 verset 16 que quelqu'un nous lise. Amen. Quelqu'un peut lire pour nous. Amen, ma soeur. Lisez le livre de Jean chapitre 14 verset 16 très rapidement, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Ouvrez vos micros, lisez. Amen. Amen. Je lis le livre de Jean 14, verset 16, 27. Oui, 16, maman. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Lisez le verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Amen. Donc nous continuons. Merci, sœur. Read it for us. The book of John, chapter 14, verse 16. Amen. Alléluia. John 14, verse 16 says, and I will pray the Father, and he shall give you another comforter. That he may abide with you forever. Amen. Is it a book of 14, 16? C'est 3 verset Amen. 16, mes bien-aimés. Donc c'était une erreur. Nous allons lire le livre de Jean chapitre 3, verset 16. Jean 3, verset 16? Oui. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen, amen. Car Dieu a tant aimé le monde, alléluia, qu'il a donné son amen. Fils unique, le Fils unique, Jésus-Christ. Amen. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, mais ne périsse point. Matthieu chapitre 14, verset 16. Nous allons aussi lire Jean chapitre 14, verset 6, mes bien-aimés, qui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Amen. Non, non.
vérité. And he is the life. Il est la vie. No man comes. Nul ne vient. To the Father. Au Père. Que par moi. Dit Jésus. Yourself with God. Tu dois te réconcilier avec Dieu. Without Jesus. Non, tu ne peux pas te réconcilier avec Dieu sans Jésus. No way. Non, c'est pas possible. No way. C'est pas possible. You cannot please God. Tu ne peux pas plaire au Seigneur. Without Jesus. Sans Jésus Christ. You need Jesus. Tu as besoin de Jésus. You need Jesus. Tu as besoin de Jésus. Amen. Amen. So, everywhere in the Old Testament, you will meet sinners. Partout dans l'Ancien Testament, tu vas rencontrer les pécheurs. Amen. Sinners. Les pécheurs, partout dans l'Ancien Testament. Start from Genesis, Exodus. Depuis la Genèse, exode, partout, c'est le péché. Ils vont promettre à Dieu. Oh, Dieu, on a péché. On va commencer à t'adorer à partir d'aujourd'hui. On ne doit pas adorer d'autres dieux. Souvent, mystère like this, if they say, these are the people that open their mouth and say God. Un petit truc comme ça, si on te dit que voici les mêmes personnes qui ont dit tout à l'heure qu'ils vont, ils vont servir Dieu. La nature d'Adam. La nature d'Adam. La nature adamique. Quelqu'un qui a la nature adamique. You cannot please God with your Adamic nature. Tu ne peux pas plaire à Dieu avec ta nature adamique. And you will fail. Celui qui a la nature adamique, il va toujours promettre. Il va toujours tomber. Adamic nature. But we thank God for the New Testament. Ben nous remercions le Seigneur pour le Nouveau Testament. Amen. Amen. The Bible says in Acts chapter 7 verse 51. La Bible dit dans Actes chapitre 7 verset 21. The book of Acts. Dans le livre de Actes chapitre, quelqu'un lise pour nous 7 verset 51. Pardon. Alléluia. Actes chapitre 7 verset 21. Verset 51, pardon. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit. Oui, allez-y, ma soeur. Verset 51. Acte chapitre 7, verset 21. Verset 51. Ah. Je crois. C'est bien net and uncircumcised. Verset 53. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'ange. Non, verset 51. Verset 51. Acte chapitre 7, verset 51. Acte chapitre 7, verset 51. Oui. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Voilà. Homme au cou raide, ainsi concis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. As your father did. Our fathers, these people in the Old Testament, stiff-necked people. Vous voyez, tous ces gens de l'Ancien Testament, c'était des gens au cou raide. But we thank God for the New Testament. Mais je remercie le Seigneur pour l'Ancien Testament. New Testament. L'Ancien Testament. Le Nouveau Testament. Repeat after me, I belong to the generation of Jesus. J'aimerais que vous répétez après moi, j'appartiens à la génération de Jésus-Christ. Répétez après moi, mes bien-aimés. The Old Testament is the generation of Adam. Now I want you to say, I belong to the generation of Jesus. Amen. J'aimerais que vous dites que j'appartiens à la génération de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais que vous répétez après moi, j'appartiens à la génération de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à l'Éternel pour le Nouveau Testament, pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Mais bien aimé, excusez-moi. La sœur Thérèse n'est pas là. On va continuer. Alléluia. Because Jesus is the last Adam. Repeat after me. I belong to the generation of Jesus. Jésus, nous appartenons à la génération de Jésus. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est le dernier Adam. Amen. Repeat after me. Amen. Amen. Jesus is the last Adam. Jésus, c'est le dernier Adam. 1 Corinthiens, chapitre 50, verset 45. 1 Corinthiens, chapitre 50, verset 45. Le livre 1 Corinthiens, chapitre 50, verset 45. Lisons, mes sœurs. 1 Corinthiens, chapitre 50, ne dit pas. Excusez-moi, mes bien-aimés, excusez-moi. Ah, la sœur, 5, ouais. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. 15, pardon, 15. 15. Verset 50. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 15. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amen. Amen. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Alléluia. Donc, nous allons aussi lire le verset 45, sœur. Le verset 45, le même chapitre. Je vais lire. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Amen. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. 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 And so it is written, the first man Adam was made a living soul. The last Adam was made a quickening spirit. Amen. Amen. Jesus is the last Adam. Jésus c'est le dernier Adam. The last Adam, he came to save us, you and me. Il est venu nous sauver, vous et moi. Everyone here. Tout le monde. As long as you are a man, a human being. Tant que tu es un homme, un être humain, ici sur la terre. Jesus came to save you from that Adamic nature. Jésus est venu te sauver de cette nature adamique. The first Adam was a corrupt man. Le premier Adam, c'était un être corruptible. The second one is coming to deliver you from that corrupt nature. Le second Adam est venu te délivrer de cette nature corruptible. Amen. Amen. So the nature of Jesus illustrates the gift of God, which is eternal life. Romans chapter 6, verse 23. Amen. Jésus vient nous donner la vie éternelle. Amen. Dans Romains chapitre 6, verset 23, mes bien-aimés, ouvrons le livre de Romains chapitre 6. Verset 23, lisons très rapidement. Romains 6, verset 23. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, amen. Book of Romans, chapitre 6. Ça va aller en anglais d'abord. Amen. Alléluia. Go on, man. And what Jesus said is death, or the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Amen. The gift of God through Jesus Christ. À cause de Jésus Christ. We have the gift of God. Nous avons le salut. It's eternal life. There is hope for us now. Nous avons le don gratuit qui est la vie éternelle. There is hope for you now. Il y a de la grâce pour toi. You know,
That Adamic nature can be removed today. Cette nature adamique peut être enlevée aujourd'hui. If you give your life to Jesus, si tu donnes ta vie à Jésus, if you allow Jesus Christ, si tu permets à Jésus de venir dans ta vie, life, he will reconcile you back to God. Il va te réconcilier avec Dieu. So, in other way, the book of the Old Testament is a book of promise. Le Ancien Testament aussi, c'est un livre de promesses. God promise, amen. That is going to bless us. Dieu nous a promis qu'il devait nous bénir. To bless Abraham. Qu'il devait bénir Abraham. And he fulfilled it. Et il a accompli cela dans le Nouveau Testament. Amen. So the New Testament is the book of fulfillment. Dans le Nouveau Testament, c'est le livre d'accomplissement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. When you read in Genesis chapter 3 verse 15. Donc quand nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 15. Amen. Let's read Genesis chapter 3 verse 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Amen. On va... Je crois que c'était une erreur de verset. Ça t'a pris parce que tu sais. I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. He shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Genesis chapter 3, verse 16. Vous avez une erreur de verset. Who is reading? Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow. On avait fait erreur de verset. D'accord, c'est le verset 16 plutôt, je crois. Non, on avait fait verset. No, I think it's where the Jesus promised a redeemer. He promised a redeemer. Non, Jésus avait promis à un rédempteur. Il avait promis un rédempteur. Il avait promis de bénir Abraham. Fulfill it in the book of Matthew chapter 2. Allons dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. The Bible verse will come to me while I'm preaching it. Hallelujah. Excusez-moi, le verset va venir pendant que je suis en train de prêcher. I'm sorry about that. Je suis désolée par rapport à ça. Oh, my sister, my brother. Donc, ma soeur, mon frère. The Old Testament was a book of promises. Donc, l'Ancien Testament est un livre de promesses. And the New Testament is the book of fulfillment. Dans le Nouveau Testament, c'est le livre de l'accomplissement. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. So, let's go back in the book of Matthew. Donc, retournons dans le livre de Matthieu. The book of Matthew. So, Matthew is introducing Jesus to the Jews. Donc Matthieu est en train d'introduire Jésus aux Juifs. Because many people, you know, they knew that Jesus is Jesus the Messiah, they, according to the promises that God made in the Old Testament, they knew that a Messiah, you know, was to come. Donc les Juifs savaient que le Messie devait venir à partir des promesses que Dieu avait fait à Abraham. But they did not know who was the Messiah. Mais ils ne savaient pas qui était ce Messie. Amen. Amen. Now, before we go further, avant que nous avançons, we have learned that Jesus Christ is the only way. Nous avons déjà appris que Jésus-Christ est le seul chemin. Now, that is why I disagree with the Muslims. Voilà pourquoi je n'agrée pas avec les musulmans. I disagree with them. Je n'agrée pas avec eux. I disagree with these people that say that Jesus is a prophet. Je n'agrée pas avec tous ceux qui disent que Jésus était seulement Jésus est un prophète. Jesus was not a prophet. Jésus n'était pas un prophète. He was the son of God. Il était le fils de Dieu. Amen. Amen. Jesus was not a prophet. Jésus n'était pas un prophète. He is the way to heaven. Il est le chemin qui mène au ciel. So you cannot compare Jesus Christ with any man. Donc tu ne peux pas comparer Jésus-Christ avec un autre homme. No. Non. No. Non.
The only way to destroy that Adamic nature. Let's mute our mic, please. La seule façon de détruire cette nature adamique. The only way to destroy that Adamic nature is to allow Jesus Christ. C'est la seule façon de détruire cette nature adamique, c'est permettre à Jésus-Christ de venir dans ta vie. So, they that believe in other people saying that Mohammed, they worship Mohammed, they are very wrong. Donc ceux qui adorent Mohammed, ils disent que Mohammed a fait ceci, ils ont tort. Ils ont vraiment vraiment tort. Even history proves that, you know. Jesus died and rose again. Même l'histoire prouve que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Mais Mohammed, if you go back where they buried him there, si vous retournez là où on l'a enterré là-bas, the tomb is still locked up. La tombe est encore fermée. And people are there imagine, I don't know what they're waiting. Les gens sont toujours en train de faire le tour de la tombe. Je ne sais pas ce qu'ils font le tour de la tombe là-bas. What are you waiting? Vous attendez quoi? My sister, my brother. Ma soeur, mon frère. Jésus. Mais even history prove that Jesus, amen, died. The life, the death of Jesus, the resurrection of Jesus Christ here on earth is a true life story. Même l'histoire prouve que la mort, la vie, la résurrection de Jésus-Christ est une histoire réelle. When he was born, how he grew up. Comment il a été né, comment il est né, comment il a grandi, how he was crucified, comment il a été crucifié, where he was buried, là on l'a enterré, how he resurrected, comment il a été ressuscité. Everything is a true life story. Et tout ça c'est la réalité, ce sont des faits qui se sont passés. If you go back to Israel now, they will show you the tomb. See, this is where they buried him. Si tu pars maintenant en Israël, on va te montrer la tombe, on va dire que voici là on l'avait enterré. Mais il n'est plus là-bas. Mohammed, can you open the tomb? Mais la tombe de Mohammed, tu peux ouvrir ça? It's locked up. C'est fermé. If you open it, it's bones that is. I don't even know if the bones are there. Si vous ouvrez ça, ce sont les os qui sont à l'intérieur. Je ne sais pas si les os là sont encore là. Probably worms have eaten it up. C'est sûr que les vers de terre ont tout grouillé ça. But Jesus Christ was raised. He was resurrected. Mais Jésus-Christ a été ressuscité. So you cannot compare Jesus Christ and a normal prophet. No. Donc tu peux pas comparer Jésus-Christ avec un prophète normal. No. Jesus Christ came to make a way so that we can be reconciled to Jesus. Jésus est venu créer un chemin afin que nous puissions être réconciliés à Jésus-Christ, à Dieu. Book of Matthew is very important. Voilà pourquoi le livre de Matthieu est très important. Introducing Jesus unto us. Le livre de Matthieu nous introduit Jésus-Christ. Amen. Amen. Many people witnesses. Beaucoup de gens étaient témoins. Alléluia. Amen. Jesus is not more in the grave. Jésus n'est plus dans la tombe. He was resurrected. Il est ressuscité. Any prophet that died, tout prophète qui meurt, if you go out at 200 years, you know, you will still find that some deposits there. Si un tout prophète qui meurt, si vous partez après 200 ans, 300 ans, vous ouvrez la tombe, vous allez voir quelques déposites là, quelques restes là. But Jesus. Mais Jésus. Jesus. Jésus. Jésus n'est plus dans la tombe. And there is proof for that. Il y a la preuve. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Don't allow anybody to deceive you, telling that Jesus is a prophet. Jesus is not a prophet. Jesus is the only way to heaven. Donc ne permets pas que quelqu'un te déçoive que Jésus que c'est un prophète. Jésus que c'est un prophète. Jésus n'est pas un prophète. C'est le seul chemin qui mène au ciel. Amen. Amen. Don't be worshiping a dead god. N'adorez plus un dieu mort. Somebody is inside a grave. You go there. I see like most there. They will go and be, you know. Quelqu'un encore dans la tombe. Je vois là-bas la mosquée, la tombe au milieu et ils sont en train de faire le tour. They will gather the tomb of Mohammed. Ils vont faire le tour de Mohammed. A dead man. Un homme mort. Dead God. Ils adorent un dieu mort. Un homme mort. Dead God that cannot resurrect himself. Les dieux morts qui ne peuvent pas se ressusciter eux-mêmes. When is he going to resurrect himself? Quand est-ce qu'il va se ressusciter? Why is he staying in the tomb there? Pourquoi il reste toujours dans la tombe? Hallelujah. Hallelujah. At the story of Jesus. Quand vous regardez l'histoire de Jésus-Christ, the body of Jesus was transformed.
le corps de Jésus a été transformé. When they buried him, quand on l'avait enterré, he opened the tomb. That body was resurrected. Après quelques jours, ce corps a été ressuscité. The same thing will happen to us, my sister. La même chose va nous arriver. On that day, le jour là, amen. Our body will be transformed. Nos corps seront transformés. Amen. Amen. So the New Testament now, the New Testament is called the Second Covenant. Amen. Donc le Nouveau Testament est appelé la Nouvelle Alliance. The Second Covenant. La Nouvelle Alliance. Amen. Unless you accept Jesus Christ as your Lord, as your Savior, you cannot benefit the presence of God. Si vous n'acceptez pas Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous ne pouvez pas bénéficier de la présence de Dieu. Don't expect Jesus to answer your prayer. N'attends pas la réponse de Dieu. Don't expect God to answer your prayer. N'attends pas la réponse de Dieu. Some people will say, I believe in God. I believe in God. D'autres vont dire que, oh, je crois en Dieu. Je crois en Dieu. But I will not accept Christ. Mais je n'accepte pas Christ. You cannot say you believe in God if you don't accept His only begotten Son. Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu si tu n'acceptes pas son seul Fils. Son Fils unique. You cannot say you love God if you don't recognize that He sent His only begotten Son, Jesus Christ. Si tu dis que tu ne peux pas aimer Dieu si tu ne reconnais pas que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus Christ. Because Jesus is the Son of God. Parce que Jésus Christ est le Fils de Dieu. So, you need to believe in God. Donc tu dois croire à Dieu. And you need to accept Christ. Tu dois accepter Christ. In your life. Dans ta vie. Receive Him. Il faut l'accepter. Invite Him. Il faut l'inviter dans ton cœur. As your Lord. Comme ton Sauveur. And Savior. Comme ton Sauveur, Seigneur. Amen. Amen. If you have not done it. Si tu l'as pas encore fait. You better do it today. Il faut le faire aujourd'hui. Advise you. Je te donne vraiment un conseil. That Adamic nature. Cette nature adamique. If you die with that Adamic nature. Si tu meurs avec cette nature adamique. The Bible says that all have sinned and come short of the glory of God. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. You are separate from God. Tu es séparé de Dieu. You are dead already. You are just tu es mort déjà. A dead human being walking. Tu es un être humain vivant qui mort déjà, qui marche mais il est déjà mort. Dead corpse walking. Un corps vivant. So if you die now, your destination is eternal death. Donc si vous mourrez maintenant, votre destination c'est la mort éternelle. And you all know eternal death is hellfire. Et vous connaissez que la mort éternelle c'est l'enfer. That's why God does not want you to perish. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que tu périsses. When we are going to go through the book of Matthew, nous allons aller au long de tout le livre de Matthieu. What Jesus did. Vous allez voir ce que Jésus-Christ a fait. It's wonderful. C'est tellement merveilleux, mes bien-aimés. Oh, what kind of love is this? Quel ce genre d'amour for mankind. Pour l'être humain. The love of God. L'amour de Dieu for mankind. Pour l'être humain. He said, God sent His only begotten Son, so that Dieu a envoyé son Fils unique. You will not perish and go to hell. Pourquoi tu ne périsses pas et ailles en enfer? Que tu ne meurs pas. You are already dead spiritually. Mais tu es déjà mort spirituellement. That Adamic nature has destroyed you. Cette nature adamique t'a déjà détruit. It has separated you from God. Ça t'a séparé de Dieu. Jesus is coming now. Et Jésus revient maintenant. To reconcile you. Jésus revient maintenant pour te réconcilier avec Dieu. So the New Testament is a book of covenant. Donc, le Nouveau Testament, c'est le livre de l'Alliance. The second covenant with God. La deuxième alliance avec Dieu. The second covenant with God. La deuxième alliance avec Dieu. Amen. But the Old Testament, mais l'Ancien Testament, the old covenant. C'est l'ancienne alliance. The old covenant. L'ancienne alliance. The old covenant, the Old Testament was the law. L'ancienne alliance c'était la loi. The law of Moses, the law that was given to Moses. La loi de Moïse, la loi qui avait été donnée à Moïse. If you don't obey, si tu n'obéis pas, you die. Tu meurs. But the New Testament, mais avec le Nouveau Testament, the grace of God is given to everybody. La grâce de Dieu est donnée à tous les hommes. If you don't obey, you still have the grace of God. Si tu n'obéis pas, tu as encore devant toi la grâce de Dieu. You have been sinning again. If
If we were living at the time of the Old Testament, si nous on était encore vivant, si nous on vivait au temps de l'Ancien Testament. Je vous dis mes bien-aimés, si c'était moi, c'est comme déjà jeté les pierres. Because the kind of prostitution I was doing. Parce que le genre de prostitution que je vivais, mes bien-aimés. They could have stoned me to death. On devait déjà me jeter les pierres à mort. Stone me. Jeter les pierres. Alive, like this stone. Vivant comme ça, on devait me jeter les pierres. Thank God for the grace. Mais je rends gloire à Dieu pour la grâce. Thank God for the New Testament. Nous rendons gloire à Dieu pour la nouvelle alliance. Le Nouveau Testament, la nouvelle alliance. The grace of God. La grâce de Dieu. That has appeared to all men. Qui est apparue à tous les hommes. The grace of God that has appeared to you, to me. La grâce de Dieu qui est apparue à toi, à moi. Salvation. Pour nous amener au salut. Gloire au Seigneur. The grace of God that will kill that Adamic nature. La grâce de Dieu qui va tuer cette nature adamique. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. With the law of Moses. Avec la loi de Moïse. The Adamic nature was still there. La nature adamique était toujours là. The law was there. La loi était là. But the Adamic nature was still there. Mais la loi, la nature adamique était aussi là. La parole de Dieu dit que Dieu a vu la méchanceté, a vu la méchanceté des hommes. Il disait que la méchanceté des hommes était grande. Même leur imagination, toutes les pensées, la pensée de leur cœur était rien que la méchanceté. Continuellement. Dans Genèse chapitre 6, verset 5. Can you read my sister? Tu peux lire, sœur Lydie? Genèse chapitre 6, verset 5. Gloire au Seigneur. Lisons, mes bien-aimés, le livre. Je vous rappelle, mes bien-aimés, que nous sommes en train d'interpréter ce que le Seigneur nous a parlé dans le livre de Matthieu. Nous étudions le livre de Matthieu chapitre 1 par la grâce de Dieu. Nous avons déjà fait ça en anglais, donc nous voulons que nos bien-aimés en français soient dans la même page de compréhension. Alléluia, voilà pourquoi nous interprétons. Donc, sœur Lydie, à vous. Matthieu, Genèse 6, verset 5. Amen. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient uniquement vers le mal. Ah, c'est ce que nous sommes en train de lire. Donc nous continuons, mes bien-aimés. Genèse chapitre 6, verset 5. Alléluia. Au Seigneur. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thought of his heart was only evil continually. Was only evil. C'était continuellement méchant. Continually. Continuellement. God has been looking for a way how he can make you to be perfect like you. Donc Dieu cherchait un moyen comment il peut faire que l'être humain soit parfait. He has made a way. Maintenant il a fait un chemin. That's why the book of Matthew is here to make us understand. Voilà pourquoi le livre de Matthieu est ici là pour nous faire comprendre. Who is Jesus? Qui est Jésus? So Matthew wrote this book. Donc Matthieu a écrit ce livre. To the Jewish. Aux Juifs. So that they will understand that Jesus Christ was their Messiah. Pour qu'ils comprennent que Jésus-Christ était leur Messie. Although they were expecting a Messiah to come, they did not know who was there. Même comme ils attendaient que ils savaient que le Messie devait venir, mais ils ne savaient pas qui était ce Messie. Now, the Holy Spirit inspired Matthew to write the book. Maintenant, le Saint-Esprit a inspiré Matthieu pour écrire le livre. Amen. Amen. Just like today, the Lord has sent me. He has sent many people. Comme aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé. Il a envoyé d'autres personnes. C'est quoi, tell them. Il dit, va les dire. This thing is not good. Cette chose n'est pas bien. This one is not good. We have run. Ceci n'est pas bien. Our first tract. Nous avons déjà écrit notre premier traité. Bientôt en français, mes bien-aimés, bientôt. Now we are going to be writing our magazine, Divan Magazine. Bientôt, nous allons aussi écrire notre magazine tous les trois mois, notre magazine Divine. All these people,
for the people to understand. Tout ceci pour que les gens comprennent. The gravity of these things. La gravité de toutes ces choses. They will not take it. They should not take it slightly. Pour qu'ils ne prennent pas ça à la légère. You know, some people say, God does not look at the appearance. God does not look at the appearance. Les gens disent, Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu ne regarde pas l'apparence. But when I share the trouser, I say, look at the, what you see the sin of trouser on the woman. Un jour sur Facebook, j'ai mis une femme qui avait mis le pantalon pour que les gens voient comment ce que le pantalon peut créer dans le cœur de quelqu'un. People say, remove. Les gens disent, enlève. See it. So that tomorrow, you will go and work other women. Il faut voir. Comme ça, demain, tu vas aussi avertir certaines femmes. Yes. Oui. You are seeing it in the street every day. Tu vois ça tous les jours dans la rue. And you don't want to talk. No. Tu ne veux pas parler? Je vais parler. Je vais parler. Tell them and say, look, this thing, this black thing that you are taking and painting your face is not good. Je vais leur dire que le truc noir, c'est que vous prenez, vous mettez sur vos visages là, ce n'est pas bien. Pour peindre vos yeux, ce n'est pas bien. Je vais leur dire parce que beaucoup d'entre eux ne lisent pas. What did she use? They don't read. We just read the first word and then the last one. Ils ne lisent pas, ils vont prendre la Bible, ils vont seulement lire le premier mot, là, après le dernier mot. But when they see a picture, hein? Mais quand ils voient une photo, hein? Hey! Le Saint-Esprit a commencé à leur parler. So ugly. C'est tellement laid. Une femme en pantalon, c'est laid. This is not God. Ce n'est pas Dieu ça. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et tu mets tout, ceci, tout ça. So, Matthew wrote the book. Donc, Matthieu a écrit le livre. To them. Il les a expliqués. So that they may know the truth. Pour qu'ils connaissent la vérité. So that they may know the truth that that Adamic nature must go. Et il doit connaître la vérité pour que cette nature adamique puisse partir. You have been observing the law, but the Adamic nature is still there. Depuis tu observes la loi, mais la nature adamique est toujours là. Yes. Really thank God. Mais je rends grâce à Dieu. We need to thank God. We need to really pray for all the people that are writing the books. Nous devons vraiment écrire, prier pour tous ceux qui écrivent les livres. In different translations. Qui écrit la Bible en différentes langues. Nous devons prier pour eux. Amen. Amen. Greater is the reward in heaven. Grande sera la récompense au ciel. All these people that are, even you that buy a Bible, you buy the Bible and you give it to somebody for free. Et toi-même qui achète la Bible, tu achètes la Bible et tu donnes à quelqu'un gratuit. Grande sera ta récompense au ciel. By the grace of God, we put the warning from God in tracts. If you take it, you order and you give to people outside. Par la grâce de Dieu, nous avons aussi nos traités. Si vous commandez et vous donnez ça aux gens dehors gratuit. Greater is your reward in heaven. Grande sera votre récompense au ciel. Alléluia. Amen. Amen. If you want to have the tract, it's available. Just order it. Si vous voulez les traités, c'est déjà valable en anglais. Il faut commander. Amen. And we are praying for all the organizations who are writing Bible. Nous prions pour toutes les organisations qui écrivent la Bible. They are taking time to write Bible. Et ils prennent du temps pour interpréter cela dans différentes langues. Bible, you understand in all, you know, all languages. May the Lord bless them for. Que le Seigneur les bénisse pour ce qu'ils font. We too, we need to do all our possible to write the warning from God, that track, in different languages. Nous aussi, nous devons écrire vraiment nos traités, l'avertissement de Dieu à toutes les femmes, en toutes les langues. Pour ceux qui parlent d'autres langues, contactez-moi, mes bien-aimés, pour que nous mettons tous nos traités en toutes langues. Amen. Gloire au Seigneur, c'est maintenant gratuit, mes bien-aimés, tout est gratuit. Nous avons ça en anglais, bientôt ce sera en français, tout est gratuit, il suffit que vous commandez et puis nous allons vous envoyer et vous donner ça gratuitement aussi à d'autres bien-aimés dehors. Mais ce que nous voulons mettre dans d'autres langues, nous avons déjà ça en français, mais nous allons bientôt photocopier cela et mettre ça sur l'internet, ceux qui ici là que les gens commandent aussi, mais nous cherchons ceux qui peuvent nous interpréter cela en d'autres langues. Si vous parlez d'autres langues comme l'allemand, vous parlez comme l'Italie, l'espagnol, d'autres langues, mes bien-aimés, pourquoi pas même le lingala, vous nous appelez et puis on vous envoie tout cela par email, vous interprétez et puis vous renvoyez
la version interprétée. Amen. Donc, nous continuons. Grâce sera votre récompense. Faites comme Matthieu. Amen. Faites comme Matthieu. Different languages. Yes. Yeah, put it. The reason why I'm putting it because someone said, well, why are we selling it? Because if somebody order like 50, you need to pay for the postage. I'm telling you. Postage, even that 2 euros is too small because if somebody order now like 300, you need to pay for the postage. Amen. J'étais en train d'expliquer pourquoi. Parce que d'abord, nous avons mis à 2 euros. Parce que c'était difficile vraiment pour envoyer poste tout et tout, pourquoi j'expliquais. Et par la grâce de Dieu, après, nous avons dit pourquoi même nous inquiéter. Dieu qui nous a appelés, Dieu va nous aider, il va toucher, il va pouvoir. Même s'il faut transformer la pierre en argent pour que nous puissions multiplier tous ces traités. Amen, nous allons le faire, nous avons confiance en Dieu. Donc, j'étais en train d'expliquer aux bien-aimés pourquoi nous mettons cela à 2 euros, parce que c'était vraiment difficile, mes bien-aimés, très, très difficile. Parce que quelqu'un peut commander 200 traités et il n'y a pas l'argent pour envoyer à la poste. Nous regardons notre caisse, la caisse est vide. Donc, voilà pourquoi on avait mis ça à 2 euros, mais par la foi, nous marcherons, mes bien-aimés. Nous avons tout mis gratuitement. So, because of that, we cannot say we will not do it. We have to do it. Have to do it. Nous allons faire ça. We have to sacrifice our some of money. Même s'il faut sacrifier notre argent, nous allons le faire. That, so that people will be delivered. Pour que les gens soient délivrés. Now you are the one now. You take it and give it to people. Maintenant toi tu prends, tu donnes aux gens gratuitement. What you are sowing the kingdom of God. You are not doing it for me. Vous ne le faites pas pour moi. You are doing it for Jesus. Vous faites ça pour Jésus. Amen. Amen. Now Matthew chapter 1. Matthieu chapitre 1, nous allons commencer par là. Matthieu chapitre 1. Chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Mais bien aimé, nous allons commencer maintenant l'étude biblique dans le livre de Matthieu chapitre 1. Parce qu'il fallait d'abord introduire Matthieu, le livre de Matthieu. Maintenant, nous entrons dans le cœur du sujet, dans le livre de Matthieu chapitre 1. Mais bien aimé, donc nous allons lire. Matthieu chapitre 1, verse 1. Donc, une sœur va lire pour nous. La sœur Lydie, vous avez lu pour nous. Matthieu chapitre 1. Amen. Amen. Matthieu chapitre 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Tamar. Amen. Attendez, mes bien-aimés. Pharès engendra Esron. Attends, mes bien-aimés, je crois qu'on ne partait pas à pas. Je vais. Oui. Lève zéro. Beginning to introduce Jesus to the Jews. Donc, Matthieu commence à introduire Jésus aux Juifs ici. For the Jews to understand that Jesus Christ. Is the one that God promised to Abraham. Pour que les Juifs comprennent que Jésus-Christ est celui que Dieu a promis à Abraham. Is the one that God promised to David for them to understand because they don't understand. Parce qu'ils ne comprennent pas. Matthieu veut que les Juifs comprennent que Jésus-Christ est celui que Dieu avait promis à David. There is no hidden secret. Il n'y a pas de secret caché. The biography of Jesus. La biographie de Jésus-Christ. Amen. Amen. It was even possible to show the picture of Jesus. Si c'était même possible pour montrer la photo de Jésus-Christ. Those days. Ce jour-là, Matthieu devait le faire. They will show it to us. Il devait nous montrer. There's no secret. There's no hidden secret. Il n'y a pas de cachet. Il n'y a pas de secret sur Jésus. About Jesus. Everything. Tout. Was revealed unto us. Nous a été révélé. Everything. Tout. So let's take this for example, my sister. Donc prenons ceci pour exemple, mes bien-aimés. What are you hiding in your life? Qu'est-ce que tu caches dans ta vie? Nous regardons Jésus ici. Nous entrons, mes bien-aimés, je vais un peu expliquer. Nous entrons dans la biographie de Jésus-Christ.
Voilà Matthieu, avant de commencer de parler de Jésus-Christ, de sa naissance, il introduit Jésus-Christ aux Juifs. Il introduit Jésus-Christ au monde entier. Il commence par sa généalogie. Il commence à parler de sa, de la racine de Jésus-Christ. Il dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, parce qu'il fallait qu'il prouve aux Juifs que Jésus-Christ était le fils de David. Jésus-Christ était le fils d'Abraham, parce que les Juifs étaient que les gens que il mettait trop d'importance sur les généalogies. Ce n'était pas n'importe qui devait s'élever à être juif. Et dans tout cela, mes bien-aimés, pour présenter Jésus, il faut qu'on montre l'identité de Jésus. Qui est Jésus? Où il sort? Quel est son nom? Qui est son père? Qui est sa mère? Quel âge il a? C'est ça. C'est la même chose pour toi, mes bien-aimés. Continuons l'étude. J'espère que vous serez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. You don't want people to know your age. Toi, tu caches ton identité. Tu ne veux pas que les gens connaissent ton âge. You don't want people to know where you are from. Tu ne veux pas que les gens connaissent de quel pays tu es. A child of God. Un enfant de Dieu. Why are you hiding? Pourquoi tu te caches? Yourself. Tu te caches. It's always good to introduce yourself. C'est toujours bien de t'introduire, mes bien-aimés. Introduis ta vraie identité. Introduce your real identity. Introduis ta vraie identité. Tell them who you are. Dis-leur qui tu es. Tell them your real name. Dis-leur ton vrai nom. Tell them your real age. Dis-leur ton vrai âge. That's why I'm telling people that restitution. You need to restitute. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens que la restitution est très importante. Il faut restituer. Jesus, yeah, before they start talking about Jesus, they must tell, they say, voici Jésus. Avant qu'on ne commence à parler de Jésus, on doit parler de Jésus. On doit introduire du généalogie de Jésus-Christ. Talking about his biography, the generation. On parle de sa biographie, de sa génération, mes bien-aimés. On parle de sa génération. C'est même pas. On n'a même pas encore commencé à parler de lui. Hein. On commence par la racine. It starts from his generation. And you are lying about yourself and you are saying that you are going to heaven. Et toi, tu mens sur toi et tu dis que tu pars au ciel? No. Tu n'es pas dans quel ciel? You cannot. Tu n'es pas dans aucun ciel. Tant que tu mens sur ton identité, tu ne dis la vérité sur toi, il n'y a aucune vérité you en toi. True identity, where tu ne révèles pas ta vraie identité. Tu n'entreras dans aucun ciel. Tu n'entreras pas au ciel. About your true identity. Don't be afraid to tell them. Mais il faut dire aux gens ta vraie identité. N'aie pas honte de le dire. Don't be afraid to tell them. They ask you, how old are you? N'aie pas honte de le dire. Si on te demande, ma soeur, quel âge as-tu? N'aie pas honte de dire ton âge. Even if you look younger. Même si tu es vieux et que physiquement tu es jeune, dis ton vrai âge. Tell them your age. Dis-le ton âge. Tell them about your age. Dis-le ton don't âge. Hiding. Ne te cache pas. Don't lie about your name. Don't lie. Ne manque pas sur ton nom. Ne manque pas sur ton âge. Anything. Quoi que ce soit sur toi, dis la vérité. About you, don't lie. Ne manque pas. Dis la vérité. Jesus said he's the way, the truth. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité. Lui-même, il montre l'exemple, mes bien-aimés. The truth. La vérité. Every child of God that doesn't have the truth. Tout enfant de Dieu qui n'a pas la vérité. It's not from Jesus. It's not of Jesus. Il n'est pas de Jésus. Jesus said he's the way. Jésus dit qu'il est la vérité, le chemin. He's the truth. Il est la vérité. And he's the life. Il est la vie. After knowing the truth. Après avoir connu la vérité. After knowing the way. Après avoir connu le chemin, pardon. You must know the truth. Tu dois connaître la vérité. The truth must live in you. La vérité doit vivre en toi. And you have life. La vérité maintenant doit te conduire à la vie. Yes. C'est ça. All this thing goes together. Tout cela va ensemble. Now, Matthew, the book of Matthew, we begin to talk now about the generation of Jesus. Maintenant, le livre de Matthieu nous introduit dans la génération de Jésus-Christ. He will talk about his ancestors. Il va parler des ancêtres de Jésus. Talk about his grandfather. Parler de ses grands-pères. Grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-parents. So that you will know that Jesus was a normal human being when he came to earth. Pourquoi tu saches que Jésus, si c'était un être humain quand il était venu sur la terre? It was not a lying story.
C'était pas une histoire mensongère. Like somebody just speaking somewhere. Once upon a time, there was a tree. There was Pas comme les fausses histoires qu'on nous raconte à l'école. Là, on dit qu'il était une fois, il y avait un arbre dans telle forêt qui faisait comme ça. C'est like this. No. This one is a true life story. Non. Ceci, c'est une histoire réelle. Jesus was the son of David. Jésus était le fils de David. The son of Abraham. Le fils de Abraham. Amen. Yes. Oui. Now he began to talk. Maintenant, on parle maintenant. C'est Abraham began. Après avoir introduit Jésus-Christ comme le fils de David, le fils d'Abraham, maintenant il commence à parler. Il dit Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas, Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar, Phares et Zara, ainsi de suite. Isaac began Jacob, Jacob began Judah. Is it is going like this? Ainsi de suite, jusqu'à Jésus vienne, jusqu'à ce que Jésus est né. Vous voyez, mes bien-aimés, toi qui manges sur ton âge, tu manges sur ton identité. Tu es d'où? Tu dis que je suis de Sierra Leone. Alors que tu es du Nigérian. Tu peux pas encore l'institut, non? Tu dois aller restituer, va dire la vérité. Va faire ta restitution maintenant. Tu peux mentir. When your father is from you say you are from Sierra Leone, when your grandfather is from Nigeria. Tu dis que tu es Sierra Leone, alors que ton grand-père c'est un Nigérien. You are lying about yourself, lying about your color. Tu mens sur toi, tu mens sur ta couleur, tu mens sur ton nom, tu mens sur ton âge, tu mens sur ta nationalité, tout sur toi c'est mensonge. Everything lie, your identity, your ID is fake. Ton identité, même ta carte d'identité est fausse. Fake. Fausse. And you say you are going to heaven. Et tu dis que tu vas au ciel. Quel ciel? You are not going to see any God. Tu ne verras aucun Dieu. You are not going to see any Jesus. Tu ne verras aucun Jésus-Christ. All about you is lie. Parce que tout sur toi c'est mensonge. Jésus dit qu'il est la vérité. Il n'y a aucun mensonge en lui. Toute personne qui ment, son père, c'est le Satan. So, the book of generation of Jesus Christ, the son of David. La génération de Jésus-Christ, fils de David. The son of Abraham. Fils d'Abraham. Qui est ton père? Who is your father? Qui est ton père? You don't lie that your father is dead when your father is still alive. Toi qui as menti à l'immigration que ton père est mort alors que ton père est encore en vie. The name of your father, because you don't want to be there, they begin to lie about the name of your father. Tu dis que le père et le nom de ton papa c'est tel. Tu ne veux pas dire la vérité parce que tu ne veux pas porter le nom de ton père. All liars will end up to heaven. Tous les menteurs vont finir en enfer. To hell, God forbid. All liars, they are going to hell. Tous les menteurs vont aller en enfer. Not heaven. C'est pas le ciel. Not heaven. Pas le ciel. So, Matthew began to talk about the generation of Jesus. Donc, Matthieu a commencé à parler de la génération de Jésus. All this is to prove that our Lord is the son of David. Tout cela pour prouver que notre Seigneur c'est le fils de David. So that the Jewish will understand, because these people, the Jews, you know. Pour que les Juifs comprennent, parce que les Juifs là, they don't joke with their lineage. Ils ne s'amusent pas avec les généalogies. They will go deeper. They want to know who is the father of the father of the father of your father. Ils vont aller profondément. Ils vont connaître qui est le père de le père du père du père du père du père de tel. Yes. Matthew wanted to explain to them that Jesus is the son of Abraham. Matthieu devait les expliquer que Jésus-Christ est le fils de David et le fils d'Abraham. Jesus is the son of David. Jésus est le fils de David. Because the Jewish when people that are reading the law, they know that the Messiah will come out of Abraham. Parce que les Juifs étaient les gens qui lisaient la loi, ils savaient que le Messie va sortir de Abraham. But now they do not know who was it. Mais maintenant ils ne savent pas qui est cet homme. So Matthew was taking time to explain to them. Pourquoi Matthieu prenait le temps pour les expliquer? That's why he said Abraham begat Isaac. Voilà pourquoi il dit que Abraham engendra Isaac. Pour qu'ils comprennent. Il dit qu'Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas and his brethren.
Judas begat Pharisees. Judas engendra Tamar. Is explaining point by point because il explique point par point parce que know who is standing before you. Il faut connaître qui est devant toi. Yes. Don't just carry the Bible and you don't study the word of God. You go and preach to somebody in the street. Il prend pas seulement la Bible comme ça, tu n'étudies même pas la Bible, tu vas prêcher aux gens sur la rue. The person you don't know. Peut-être tu ne connais pas. If you go through Jehovah Witness, si tu tombes sur quelqu'un comme les témoins de Jéhovah, prove to him that Jesus without Jesus. If you go through somebody a Muslim, you need to prove him up. Si tu tombes sur les musulmans, tu dois lui prouver. That is the only way. Que Jésus le seul chemin. So, Matthew knew what he was talking about. Donc Matthieu connaissait qui étaient les Juifs qui se trouvaient devant le lui. Il fallait les prouver que Jésus-Christ est le fils de David et d'Abraham. The Holy Spirit inspired him. Le Saint-Esprit l'a inspiré. And he began to write. Et il a commencé à écrire. He began to write. Il a commencé à écrire. Because he saw it, he know, he believe it. Parce qu'il a vu, il connaît et il croit. He live by it. Il vit par cette vérité. Yes. Oui. All this. Tout cela engendra. Pour que les Juifs comprennent que Jésus-Christ est le Messie et il vient de Abraham. Amen. La preuve est là. Let's read. Lisons. Abraham. Verset 1. The book of the generation of Jesus Christ. Généalogie de Jésus-Christ. The son of David, the son of Abraham. Fils de David, fils d'Abraham. Abraham begat Isaac. Abraham engendra Isaac. Isaac begat Jacob. Isaac engendra Jacob. Jacob begat Judas. Jacob engendra Judas. And his brethren. Et ses frères. And Judas begat Phares. Judas engendra and Zara. De Tamar, Phares et Zara. Phares begat Hezron. Phares engendra Hezron. Hezron begat Aram. Hezron engendra Aram. Aram begat Aminadab. Aram engendra Aminadab. And Aminadab begat Nasson. Aminadab engendra Nasson. Nasson begat Salmon. Nasson engendra Salmon. Salmon begat Boaz of Rehab. Salomon engendra Boaz de Rehab. On va arriver là-bas, mais bien aimé. Boaz begat Obed of Ruth. Boaz engendra Obed de Ruth. Ruth. And Obed begat Jesse. Obed engendra Isaac. Jesse begat David the king. Isaac engendra David the king begat Solomon of. Le roi David engendra Salomon, la femme d'Uri. Of her that be the wife of Urias. Solomon begat Roboam. Salomon engendra Roboam. Roboam begat Abia. Roboam engendra Abia. Abia begat Asa. Abia engendra Asa. Mm-hmm. Asa begat Josaphat. Asa engendra Josaphat. This. For the Jews to understand that. Tout ceci pour que les Juifs comprennent Jesus Christ is coming out of Abraham. Que Jésus-Christ est la descendance de David et d'Abraham. Continue to read. Continue Joram begat Joram. Josaphat engendra Joram. Joram begat Ozias. Joram engendra Ozias. Joram begat Joatam. Joatam engendra Joatam. Joatam begat Achaz. Joatam engendra Achaz. Achaz begat Ezekias. Ajaz engendra Ezekias. Ezekias begat Manasseh. Ezekias engendra Manasseh. Manasseh begat Amon. Amon engendra Josias. Amon begat Joshua. Josias. Mm-hmm. Josias begat Jeconias. Josias engendra Jeconias. And his brethren. Et ses frères. At that time, they were carried away to Babylon. So he will even is. Et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Always he will even you know explain to them so that they should know. Il prend du temps pour les expliquer pour qu'ils comprennent. Jeconias is talking about. Mm-hmm. Il veut qu'ils comprennent. Il l'explique. Il veut qu'ils comprennent le Jeconias dont il est en train de parler parce qu'il dit que il dit Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone pour qu'ils connaissent de quel Jéconias il est en train de parler. Il prend du temps pour expliquer aux Juifs. He said, and after they were brought to Babylon, so he want them to know. Donc il veut qu'ils connaissent. Il leur dit que après cela, ils sont allés à Babylone. Donc il veut qu'ils comprennent. Who is talking about?
Il veut qu'ils comprennent de qui il s'agit. So that they will know that Jesus is the seed of Abraham. Pour qu'ils savent que Jésus-Christ est vient d'Abraham. Now, after they were brought to Babylon, Jeconias begat Salathiel. Après la déportation à Babylone, Jeconias engendra Salathiel. Salathiel begat Zorobabel. Salathiel engendra Zorobabel. Zorobabel begat Abiud. Zorobabel engendra Abiud. Abiud begat Eliakim. Abiud engendra Eliakim. Eliakim begat Azor. Eliakim engendra Azor. Azor begat Sadoc. Azor engendra Sadoc. Sadoc begat Achim. Sadoc engendra Achim. Achim begat Eliot. Achim engendra Eliud. Begat Eliezer. Eliud engendra Eliezer. Eliezer begat Matan. Eliezer engendra Matan. Matan begat Jacob. Matan engendra Jacob. Jacob begat Joseph. Jacob engendra Joseph. The husband of Mary. L'époux de Marie. Of whom was born Jesus. De laquelle est né Jésus. Who is called Christ. Qui est appelé Christ. So all the generations from Abraham to David are 14 generations, and from David until they carried away into Babylon are 14 generations, and from the carrying away into the Babylon unto Christ are 14 generations. Donc il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Maintenant, que les juifs, vous-même les juifs, examinez. If it's true, si c'est vrai, what Matthew is saying, c'est que Matthieu est en train de dire, examinez vous-même si c'est vrai. Examine. Yes. Oui. We all know. Nous tous savons that God promised Abraham. Que Dieu a promis Abraham. He promised to bless the seed of Abraham. Il a promis de bénir Abraham. Yes. Oui. God knew that out of Abraham. Dieu savait que dans Abraham something good will come out. Quelque chose de bon sortira. Amen. My sister. Ma sœur. God promised to bless the seed of Abraham. Dieu a promis de bénir Abraham. That is why let me use this an opportunity to tell all the single out there, those people. Je vais prendre cette opportunité pour parler à tous les ceux qui sont pas mariés là dehors. They are not married. The sisters are not married. Non, bien aimés qui sont pas encore mariés. Ceux qui sont encore en train d'attendre pour le Seigneur. Le Seigneur leur donnait leur mari, les femmes. Before. Avant. I was explaining last Thursday because every Thursday we have the meeting for all the singles. J'ai expliqué cela à tous les bien-aimés, les frères qui parlent, les frères les jeudis, parce que souvent les jeudis à partir de 20h, mes bien-aimés, j'ai les réunions avec les frères qui sont pas encore mariés, oui. The brethren and the brother. Les frères en Christ. Last Thursday, I was telling them. Je leur disais. I say you must make sure that you know the will of God for you. Je leur disais que vous devez vous assurer que vous connaissez la volonté de Dieu pour vous. Know the will of God for your if that woman is your wife. Si la femme là c'est ta femme. If that woman is a virtuous woman. Si la femme là c'est une femme vertueuse. You must know if this is the will of God for me. Tu dois connaître que si ça c'est la volonté de Dieu pour moi. If this man is the will of God for me. Si cet homme c'est la volonté de Dieu pour moi. Pour le mariage. Because. Parce que. There is a seed of blessing. Parce que il y a une bénédiction. Hallelujah. There is a seed of blessing God wants to. Il y a une graine de bénédiction. Plant inside through your generation. Que Dieu veut à travers de ta génération planter. Alléluia. You are giving your life to Jesus. Tu as donné ta vie à Jésus. And God want to bless you. Et Dieu veut te bénir. He want to bless your generation. Il veut bénir ta génération. He told Abraham, il a dit à Abraham. I will bless thy seed. Je vais bénir te bénir. God want to use you. Dieu veut t'utiliser. Amen.
God want to use you. He want to use your husband. Dieu veut t'utiliser. Il veut utiliser ton mari. So that his will can be fulfilled. Afin que sa volonté s'accomplisse. Through your generation. Au travers de ta génération. My father and my mother. Mon père et ma maman. Must come together so that I will be born. Doivent venir ensemble afin que je sois né. Yes. Oui. Your father and your mother must come together so you will be born. Ton père et ta mère doivent venir ensemble afin que toi tu sois né. It was the will of God. Parce que tu étais la volonté de Dieu. The will of God. La volonté de Dieu. The will of God. La volonté de What Dieu. What is the will of God for you? Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Agar. 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 Although she was living in the house of Abraham. Agar. Quoi qu'elle habitait dans la maison de Abraham, it was not the will of God for Abraham. Elle n'était pas la volonté de Dieu pour Abraham. She wasn't the will of God for Abraham. Elle n'était pas la volonté de Dieu pour Abraham. Have you seen Ishmael somewhere here? Tu as vu Ishmael quelque part dans la généalogie là? Let's go back again. Regardons un peu. Have you seen any Ishmael here? Est-ce que tu as vu un Ishmael quelque part ici là? Have you seen Ishmael, son of Abraham? Est-ce que tu as vu Ishmael, le fils d'Abraham ici? Nothing. Rien. Ishmael. Il n'y a pas Ismaël ici. Abraham begat Isaac. On a dit Abraham engendra Isaac. Did you see someone that said Abraham begat Ishmael? Est-ce que tu vois quelque part où on a écrit que Abraham engendra Ishmael? But Abraham had a son. Mais Abraham avait un fils. The difference is that that son was not the will of God. La différence est que ce fils n'était pas la volonté de Dieu. Amen. That son was not the blessing of God for Abraham. Ce fils n'était pas la bénédiction de Dieu à Abraham. It was through Sarah. C'était par Sarah that the seed of God que la graine de Dieu devait venir. Amen. Amen. Not through Agar. Pas Agar. Not through Agar. Pas au travers de Agar. Don't go and marry Agar. Ne, toi qui es chrétien, ne va pas épouser Agar. Hey, I saw somewhere in YouTube. Somebody said we are Agar. J'ai vu quelque part dans YouTube, il y a une femme qui est venue avec une vidéo, disait que oh, je suis Agar, nous sommes les Agar. Satan. The devil is looking for a way to deceive people. Satan cherche comment décevoir les gens. Go and look, the real Agar, you don't know the real Agar. Come and take the virtuous woman and say that we are Agar. Les vrais Agar, tu ne peux pas chercher les vrais Agar, tu viens prendre les femmes vertueuses pour dire que nous sommes les Agar. Une femme vertueuse. Somebody that is seeking the will of God. Quelqu'un qui recherche, c'est une femme qui recherche la volonté de Dieu. That is the woman you are looking for. C'est la femme que tu dois rechercher. When you are seeing a woman, quand tu vois la femme, is she a virtuous woman? Est-ce qu'elle est une femme vertueuse? Begin to cut the character. Regarde, commence à examiner le caractère. Show me this woman. Tu dis, Seigneur, montre comment son caractère. Is she my Sarah? Est-ce qu'elle est ma Sarah? My God, is it the will of God for me? Oh mon Dieu, est-elle la volonté de Dieu pour moi? Jesus was the blessing. Jésus-Christ était une bénédiction. God promised to Abraham. C'était la bénédiction que Dieu a promis à descendance de Abraham, à Abraham. Yes. He promised Abraham. Il a promis Abraham. That he will give a child. Il va donner un fils. But after he said he's going to bless his seed. Après il a dit, je vais bénir ta progéniture, je vais bénir ta descendance. Oh, my sister. Mais bien aimé. He was promised to Abraham that Christ should descend. Il a promis à Abraham que Jésus-Christ viendra. Amen. Amen. Genesis chapter 22 verse 18. Book of Genesis chapter 22 verse 18. Genèse chapitre 22 verset 18. Amen. Et bien aimé, qu'il est bon de lire la parole de Dieu. Amen. Qu'il est bon de lire la parole de Dieu. Donc Genèse chapitre 22 verset 18. Let's read. Toutes les nations de la terre voudront être bénies dans ta prospérité. Amen. Parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. La postérité, voilà le mot que je cherchais. Toutes les nations seront bénies à ta postérité. Pourquoi?
parce que tu as obéi à ma voix. Voilà pourquoi j'ai dit au bien-aimé, attendez, obéissez à la voix de Dieu. Recherchez toujours la volonté de Dieu. Si vous voulez vraiment la bénédiction de Dieu, je m'adresse encore à tous ceux qui ne sont pas mariés, mes bien-aimés. Attendez votre Sarah. Restez dans la prière parce que vous obéissez Dieu. Dieu va vous amener avec votre Sarah. Et par toi et Sarah, il va bénir votre postérité. Voilà Abraham. Voilà Abraham et Sarah. À part, le Seigneur dit, parce que tu as obéi à ma voix, je bénirai ta postérité. Donc le Seigneur a permis, le Seigneur a promis à Abraham cette bénédiction. Et cette bénédiction, c'est Jésus-Christ. Donc, il fallait que Matthieu explique aux Juifs que réellement, la bénédiction que Dieu a promis à Abraham, c'est ça. Alléluia. Amen. Donc, nous continuons. Nous continuons. Oh, qu'il est bon. Mais bien aimé, c'est bon de lire la parole de Dieu. Donc, je demande à une soeur de lire. Alléluia. Amen. Because thou hast obeyed my voice, Abraham. Parce que tu as obéi à ma voix, Abraham. And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed. À cause de ta postérité, toutes les nations de la terre seront bénies. N'es-tu pas béni à cause de Jésus, ma soeur? Mon frère, tu n'es-tu pas béni? Are you not blessed because of Jesus? N'es-tu pas béni à cause de Jésus? Yes. Moi, je suis béni. Jesus is the seed of Abraham. Jésus, c'est la postérité d'Abraham. That is why Matthew wants us to understand. Voilà pourquoi Matthieu veut que nous comprenions. You know, when you are reading the word of God, don't rush. Quand tu lis la parole de Dieu, ne coupe pas. Ne coupe pas. I want you to take your time. Prends ton temps. We are not rushing yet. Nous ne sommes pas en train de courir ici. Là. We are going to take it slowly. Nous allons prendre ça doucement, pas à pas. Alléluia. Amen. Amen. Let's mute. Let's mute. So, in thy seed, dans ta postérité, all the nations, toutes les nations of the earth, de la terre, will be blessed, seront bénies. Because, parce que, thou hast obeyed my voice. Parce que tu as obéi à ma voix. And the Bible says that Jesus too is the son of David. Let's, et la Bible dit aussi que Jésus-Christ est le fils de David. Samuel, 2 Samuel chapitre 7, verset 12. Lisons dans 2 Samuel chapitre 7, verset 12. Ça, on dit 2 Samuel. Now we are in verse 1, yeah? Maintenant, nous sommes au verset 1 de Genèse, mes bien-aimés. Genesis chapitre 1, verset 1. The book of Generation. Maintenant, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1. Of Jesus Christ, the son of David, the son of... Le livre de la généalogie de Jésus-Christ. So we are trying to explain to you that Jesus is the son of Abraham and the son of David. Nous essayons de vous expliquer que Jésus-Christ est le fils d'Abraham, comme nous venons de l'expliquer. Maintenant, nous essayons de vous expliquer que Jésus-Christ est le fils de David. So, 2 Samuel, chapitre 7, verset 12, sister. Donc, ça, Lydie, lisez pour nous 2 Samuel, chapitre 7, verset 12. 2 Samuel 7, verset 12. Amen. Quand les jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Amen. 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 La postérité. La postérité. Amen. Alléluia. Another person open Psalm 89 verse 3 to 4. Une autre personne peut ouvrir Psaume verset 89 verset 3 à 4. Psaume 89 verset 3 à 4. Psaume 89 verset 3 à 4. Lis, ma soeur. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Amen. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. Amen. Amen. Lis, maman, continue. D'accord. Le verset 5. J'affermirai ta postérité pour toujours. Et j'établirai ton trône à perpétuité. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. That is the promise of God. Voilà la promesse de he Dieu. Said, il dit. He said, and when thy day be fulfilled, and
thou shalt sleep with thy father. I will set up thy seed after thee. Amen. Which shall proceed out of thy bowel. Amen. And I will establish his kingdom. J'établirai ton royaume. Le royaume de Jésus-Christ. Je vais, il dit, Jésus a dit que je vais établir le royaume de ta postérité. C'était le royaume de Jésus. Amen. Amen. Psalm 89, verse 3 to 4. Amen. Maintenant, on va dans le psaume 89, 3. Bon, je vais lire, car je dis la... He says he's going to build the throne of his seed for all generations. Amen. The kingdom of God. Le royaume de Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Through David. À partir de David. Abraham. À partir d'Abraham. So, let's build our mind. Matthew was doing all this to prove to the Jewish that, you know, unless it is true, they cannot admit it. So, mais bien aimé, les Juifs, si tu ne prouves pas aux Juifs, ils ne peuvent pas admettre cela. Donc, Matthieu doit expliquer. Les Juifs, ils aiment préserver leur descendance. Ils aiment le... oui. Let's mute our mic. Fais-moi nos micros, mes bien-aimés. Fais-moi nos micros. Amen, amen, bien-aimé, nous allons... He's trying to let them understand that Christ is the Messiah. Il voulait faire comprendre que Christ est le Messie. Donc, mes bien-aimés, nous allons nous arrêter ici parce que il y a nos bien-aimés qui vont prier tout à l'heure dans Go to Meeting. Comme je vous ai dit que nous prions tous les heures, tout à l'heure, il y a un autre groupe qui prie. Dès qu'un groupe finit, un autre groupe de femmes vertueuses prend. On prie pour quoi? On prie pour l'église. On prie pour le réveil. On prie pour que la mission que Dieu m'a donnée puisse aller partout dans le monde entier. On prie que le Seigneur réveille les sœurs. On prie pour l'église entière. On prie pour tout le monde, mes bien-aimés, pour que l'évangile soit répandu. Donc, nous allons nous arrêter ici là. Avant de finir, je vais poser quelques questions aux sœurs. Qu'est-ce que vous avez compris? Pour cette partie 1, nous revenons jeudi prochain par la grâce de Dieu si Jésus tarit pas. Amen. Qu'est-ce que vous avez retenu, mes bien-aimés? Je veux deux personnes. Ouvrez vos micros, mes soeurs. Amen. Les femmes vertueuses. Amen. Saint Paul, ton micro a des problèmes. À part la sœur, il n'y a personne. Amen. Sœur Yolande, vas-y. Allô? Amen. Amen, amen. Amen. Alors, ce que j'ai compris dans ce message qui est très enrichissant. Amen. Ma soeur ne vous suit pas bien. Je ne vous suis pas bien. Vous avez un truc ouvert comme Skype, tout ça. Je ne vous suis pas bien. Non. Ah oui, parlez maintenant. Donc, je dis que c'est ce qui sort déjà pour nos peines. Avoir une bonne base, nous puissions comprendre. Et vraiment que déjà aussi, quand nous allons aussi apporter la parole de Dieu aux autres, nous savoir nous expliquer par rapport à la parole de Dieu. Mm-hmm. Amen. 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 Bonjour. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Une autre personne. Qu'est-ce que vous avez reçu? Amen. Donc, j'espère que vous avez... Oui, vas-y, sœur. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que aujourd'hui, nous avons étudié le livre de Matthieu.
Matthieu, comme on le dit, c'est au fait. C'est un prophète déjà qui a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui a expliqué déjà pourquoi la venue de Jésus, et il a expliqué déjà la descendance de Jésus, comment est-ce que Jésus est né et quelle est la mission de Jésus. Nous devons savoir que depuis Adam, c'est pour ça qu'on dit que l'Ancien Testament, c'est l'alliance, on avait l'alliance de Adam, tous les descendants. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, le livre de Matthieu, c'est un pont entre les deux. Nous avons vu que l'Ancien Testament, c'est un livre de promesses. Parce que depuis que l'homme a péché, Dieu avait fait une promesse à Dieu, surtout à Abraham. Pourquoi Abraham? Parce que Abraham, c'est quelqu'un qui a écouté la voix de Dieu. Il a obéi à la voix de Dieu. Et c'est par là qu'il a pu obtenir la promesse de Dieu. Amen. Et ça s'est accompli dans le Nouveau Testament. Parce que depuis Abraham, il y avait toujours la promesse donnée. Parce qu'on savait que la promesse doit se réaliser. Il y avait eu des prophètes qui sont passés depuis Abraham. Mais à cause de ce qui est adamique, tous ces prophètes ont vu qu'ils ont toujours eu des chutes. Pourquoi? Parce que ils ont toujours gardé leur nature adamique. Tant qu'ils n'étaient pas délivrés de leur nature adamique, ça les a toujours subis. Et maintenant, la promesse s'est accomplie avec le Nouveau Testament à la venue de Jésus. Parce que Jésus étant le Fils de Dieu, il est venu nous réconcilier avec Dieu. Amen. Donc, c'est juste parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps. J'ai juste résumé, prendre l'essentiel. Amen. Donc, nous devons savoir que Jésus, depuis Jésus, nous avons la grâce. Parce qu'il nous a réconciliés avec Dieu. Et avec Jésus, nous devons savoir que cette nature adamique, il est mort. Nous puissions maintenant nous délivrer de la nature adamique et vivre maintenant sous la grâce pour bénéficier de la vie éternelle qui est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Donc, nous allons continuer jeudi prochain, là où nous sommes arrêtés. Remercions le Seigneur, ouvrons notre bouche, disons merci Seigneur pour sa parole. Amen. Avant de continuer, la sœur Nino a écrit que j'ai retenu que l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance et le Nouveau Testament, c'est la Nouvelle Alliance. Amen, 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 amen. Pour toi qui regardes aussi, tu peux appeler. Tu peux aussi laisser un message. Qu'est-ce que tu as retenu? Alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni. Prions. Père, Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour nous avoir transportés dans ta parole, Seigneur Saint-Esprit, qu'il est beau d'être dans ta présence, d'écouter ta parole, les merveilles que tu as fait pour nous, ô Seigneur, ton amour que tu as montré, que tu as démontré pour nous et que tu continues toujours à démontrer. Merci pour ta grâce, ô Jésus, merci d'avoir accepté venir ici sur terre, mourir pour nous. Merci Jésus pour ton amour pour tout l'être humain, Seigneur. Merci de nous avoir réconciliés avec toi. Mais ô Père éternel, merci d'avoir détruit la nature adamique dans nos vies, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Jésus, merci parce que tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Et nous prions, Papa, que tu puisses aussi nous transformer, que cette vérité-là soit en nous, que cette vie-là soit en nous, et que ce chemin que nous avons trouvé, que nous ne dévions pas au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous nous confions entre tes mains, nous confions nos âmes, nos esprits, notre corps dans tes saintes mains. Seigneur, que nous demeurons toujours dans ta présence jusqu'à l'avènement, le jour de ton avènement, où tu viendras chercher, Seigneur, tous ceux qui auront gardé les robes blanches. Et nous savons, éternel, que nous serons parmi, au nom puissant de Jésus. Père éternel, reçois toute la gloire. Le reste de la soirée entre tes mains. Nous nous couvrons dans le sang de Jésus. Nous couvrons nos enfants, nos familles, nos maris, tous nos sœurs, les femmes vertueuses dans le sang de Jésus. Nous couvrons toute l'église dans le sang de Jésus. Même pour ceux qui sont égarés, qui n'ont pas encore connu la vérité éternelle, nous savons éternel que tu les chercheras et tu les ramèneras dans la bergerie. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, partageons la grâce. Amen. Partageons la grâce. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour de Dieu, le Père,
la communion du Saint-Esprit soit toujours avec nous. Amen. Charlie, goodness and mercy shall follow us all the days of our life, and we shall dwell in your house in the presence of our Lord Jesus Christ. Amen. Mais bien aimé, je vous invite à venir encore jeudi prochain pour l'étude biblique. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été là. Amen. Shalom. 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 Alléluia. Shalom.